Bonjour à toutes et à tous, nous sommes sur le Salon des Entrepreneurs de Paris, édition 2014. Avec moi, Benjamin Botura, on va parler de franchise. Bonjour. Alors Benjamin Botura, vous êtes responsable développement de oui. Passion Beauté. Passion Beauté, tout à fait. La passion et de la beauté. Beauté. Alors, première question, est-ce que vous pouvez nous présenter votre enseigne? Bien sûr, donc Passion Beauté est une enseigne de Parfumerie Institut qui fête aujourd'hui, cette année, ses 22 ans et 160 points de vente. Donc notre particularité réside dans le fait que nous sommes en coopérative. D'accord. Ce qui veut dire que contrairement à la franchise pure, chaque associé détient une part de l'enseigne. Donc tous les associés regroupés ensemble représentent l'enseigne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'un nouveau franchisé vous rejoint, il prend une part du capital. Tout à fait, exactement. Il achète une part, ce qui lui permet de voter les décisions qui sont liées à l'enseigne et n'est pas dépendant d'une personne comme un franchiseur peut l'être vis-à-vis de ses franchisés. Et comment ça se passe justement la prise de décision avec une centaine de franchisés? Une centaine d'associés, exactement. Eh bien, ça fonctionne. Franchisés associés, oui, effectivement. Voilà, ouais, ce sont les associés qui votent en assemblée générale deux fois par an ou qui sont représentés par un conseil d'administration d'une douzaine de personnes qui se réunit tous les deux mois environ pour pouvoir justement prendre les décisions régulières et récurrentes de l'entreprise. Alors j'imagine que vous n'allez pas vous arrêter en si bon chemin. Quelles sont vos prochaines grandes étapes en termes de développement? Alors au niveau du développement, donc, nous sommes d'abord sur une phase de rénovation de tout le parc de magasins, ce qui nous permet de faire évoluer le concept d'aménagement, de pouvoir monter en gamme au niveau des produits, au niveau de tout ce qui est magasins propres. L'institut, les cabines et les espaces de vente, et ensuite de pouvoir ouvrir une dizaine de points de vente par an, comme on l'a fait donc, depuis l'année dernière, pour arriver à 200 points de vente en 2017. 2017, 100, combien 200, 200. 200 points magasins, de vente. Voilà. Ok, donc il va falloir recruter pas mal de futurs associés. Exactement, on peut le dire comme ça. Exactement, c'est pour ça qu'on est là. Alors justement, qu'est-ce que vous recherchez exactement comme profil? Alors l'associé Passion Beauté n'a pas de profil type. Ça peut aussi bien être un homme, une femme. Il peut aussi bien connaître le secteur d'activité de la beauté, détenir déjà une parfumerie ou pas du tout. Ce qu'on cherche spécifiquement nous, ce sont vraiment des commerçants, donc des gens qui vont savoir accueillir leurs clients, qui vont être à l'aise avec eux, qui vont leur apporter la qualité de service dont on a besoin chez Passion Beauté, ce qui nous caractérise, vraiment c'est la partie service client. Donc on a besoin des gens qui savent recevoir le client et voilà. Une vraie âme de chef d'entreprise, de commerçants, voilà, qui vont créer l'âme du magasin eux-mêmes, donc que ce soit des commerçants, des gestionnaires, mais pas forcément des gens du secteur d'activité. Benjamin Botura, comment on fait pour rejoindre le réseau Passion Beauté? Eh bien, on nous contacte. On vous contacte. On nous contacte directement. Et alors, les conditions? Au niveau des conditions, de toute façon, donc on est sur des droits d'entrée qui sont de 10 000 euros. 10 000 euros hors taxe sur le droit d'entrée. Il n'y a pas de pourcentage du chiffre d'affaires comme on peut l'avoir sur une franchise. On est vraiment sur une cotisation fixe qui permet à la tête de réseau de fonctionner. Uniquement. La tête de réseau n'a pas pour objectif de faire de résultats, de bénéfices. S'il y en a, ils sont redistribués aux associés. Ce qui fait que la cotisation mensuelle est de 829 euros par mois, ce qui ne correspond pas du tout à 5, 6 ou 7% du chiffre d'affaires, comme on peut l'avoir sur des franchises pures. Et alors, les nouveaux franchisés, par rapport à l'investissement, qu'est-ce qu'ils peuvent attendre comme retour? Ce qu'ils peuvent attendre, c'est d'avoir un premier bilan positif sur la première, voire la deuxième année. Ce qui est plutôt rapide, voilà. Parce qu'on maîtrise plutôt bien les coûts grâce à différentes façons de travailler sur les achats avec des partenariats de long terme. Et bien voilà, c'est dit sur les échos de la franchise et sur WeDoBiz. Merci beaucoup Benjamin Botura d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes responsable développement pour le réseau Passion Beauté. Merci.